officiel, sapeur-pompier, repos. Mesdames et messieurs, les officiels, les enfants des écoles, les pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, merci à vous tous de votre présence pour marquer ce 77e anniversaire de la fin de la guerre de 39-45. En ce 8 mai, nous pouvons nous retrouver devant le monument car en raison du Covid, nos cérémonies étaient réduites au strict minimum, mais nous avons toujours marqué. On espérait que les guerres seraient finies, mais hélas, la réalité nous a rattrapés. Ce que nous avons vécu, nous, il y a 77 ans, aujourd'hui, un autre pays le vit. Nous, les anciens combattants, nous militons pour la paix. Mais contre ce monstre, nous sommes bien petits. Malgré tout, espérons qu'un jour, la paix sera dans le monde entier. Alors, en ce jour, comme devant tous les monuments de France, ayons une pensée pour tous ceux qui ont payé de leur vie pour qu'aujourd'hui, nous puissions être là, libres. Nous allons commencer par une remise de médailles. Gardez-vous. Ouvrez le bain. Donc, je vais, en tant que président et puis chevalier de la Légion d'honneur, je vais remettre la médaille de la Défense nationale avec agrafe de ceux qui ont fait l'Algérie et les essais nucléaires. Donc, je remets la médaille à Bernard Ambrosi. Fermez le bain. Mesdames, Messieurs, bonjour. Jean-Luc Guirouic, adjoint au maire, est chargé du devoir de mémoire. Journée nationale 8 mai 2022, commémorative de la victoire du 8 mai 45. Il s'agit du discours de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès d'une ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas. En ce 8 mai 2022, dans chaque village et ville de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945 nous contient. Voyager, s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire.
Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'humanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité et avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé de lutter, du courage des résistants de l'intérieur, pardon, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour votre pays, pour ce combat, pris de nombreux visages et la victoire mit le chemin. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du territoire du mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent, la mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France, qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la Résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe qui fut le seul pour sa réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en français, en européen, en femmes et hommes libres. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, porte-drapeau et membre de la FNACA, une félicitation à Monsieur Ambrosi pour sa remise de médaille. Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal de Saint-Laurent-de-Mur, les enfants élus du Conseil municipal enfants, Monsieur le représentant de la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent-de-Mur, Monsieur le chef de corps, pompier, jeune pompier du corps des pompiers de Saint-Laurent-de-Mur, Monsieur le chef de la police municipale de Saint-Laurent-de-Mur, Monsieur le Président et membre de la batterie fanfare de Saint-Laurent-de-Mur, Monsieur le directeur d'école et les membres du corps enseignant et les enfants des classes CM1, CM2, CE1, CED, je pense. Mesdames et Messieurs, membres représentants des associations de Saint-Laurent-de-Mur, Mesdames et Messieurs, chères Laurentinoises, chers Laurentinois, il y a 77 ans, le 8 mai 1945, le Troisième Reich capitulait sans condition devant les forces alliées composées des États-Unis, de l'URSS, du Royaume-Uni et de la France. Cette date marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'est la fin d'une guerre qui fut différente de toutes les autres. C'est le plus vaste conflit armé que l'humanité ait connu, mobilisant plus de 100 millions de soldats à travers 61 pays sur quelque 22 millions de kilomètres carrés. Un conflit qui s'est traduit par des pertes humaines terribles, près de 62 millions de morts. Et pour la première fois dans l'histoire des guerres, une majorité de civils
puisque 45 millions d'entre eux ont été arrachés à la vie. Nous nous sommes rendus compte que notre civilisation était mortelle, que le monde pouvait s'écrouler. Nous avons pris conscience aussi que nos vies, que nos modèles de société étaient fragiles, ce qui les rend les plus précieux encore. Nous célébrons aujourd'hui celles et ceux qui ont fait du combat pour la liberté un devoir. Rendons hommage à ces soldats, à ces civils qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940, qui se sont unis derrière lui pour continuer un combat qui semblait perdu d'avance. Notre commune et ses habitants ne firent pas exception et ont su montrer toute leur solidarité durant cette funeste période. C'est l'histoire de la place du 26 août 1944 à Saint-Laurent-de-Mur, qui doit son nom à l'action héroïque de Martial Baconnier, alors maire de la commune. Tandis qu'une patrouille allemande venue en reconnaissance fut abattue par un groupe de résistants, les occupants cherchèrent les coupables et menacèrent de représailles les habitants du village. C'est alors que l'édile de la municipalité mènera d'âpres négociations et se proposera aux côtés de son fils en sacrifice pour éviter des exécutions arbitraires. Finalement, les Allemands décidèrent de passer outre et de continuer leur chemin. Le premier magistrat venait par son courage et un sens des responsabilités hors du commun d'éviter un massacre comme ceux tristement célèbres de Tulle ou de Radour-sur-Glane. Cette date lui-même marque une fin, celle de la guerre et de son cortège d'horreurs innombrables sur le théâtre d'opérations européen. Mais c'est également un retour, celui des valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Alors que les témoignages sur cette terrible époque se raréfient, je veux rappeler ici l'importance du travail de mémoire qui nous incombe, en particulier pour les jeunes d'entre vous. Nos cimetières, nos monuments morts et les camps de concentration nous renvoient aussi à notre propre humanité, nous rappellent qu'il sommeille en chacun de nous une part de cruauté. Ainsi, ces résistants, nos anciens combattants ou les simples survivants, par leur sacrifice, nous obligent. Ils nous transmettent un devoir, un flambeau, celui de la vigilance en tout instant. Avec l'aide de nos enseignants, nous devons éduquer nos jeunes à prendre le contre-pied de cette histoire tragique, rappeler notre aptitude à faire le bien et en user autant que possible. L'Union européenne est née sur cette idée ambitieuse du maintien de la paix entre les peuples au nom des valeurs communes que les démocraties considèrent comme universelles, la liberté, le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme, y compris ceux des minorités. L'histoire montre que la guerre est la règle, la paix est l'exception. Nous le voyons au regard des événements récents en Ukraine, la paix en Europe est un idéal fragile qu'il nous faut chérir. En mémoire de ceux qui ont combattu pour que nous puissions vivre libres, il nous faut refuser toute dictature, toute injustice et toute occupation. Tant que l'individualisme, le repli sur soi, le racisme, l'antisémitisme seront présents dans notre société, notre vigilance ne doit pas faiblir, nous ne devons jamais baisser la garde. De par notre présence ici ce matin, chacun d'entre nous marque son attachement à cette attitude. Et chacun d'entre nous exprime également sa plus profonde reconnaissance à tous ces héros morts pour la France qui, pour leur part, ne pensaient qu'avoir tout simplement faire leur devoir. Ces héros existent toujours et se battent au quotidien pour assurer notre sécurité sur tous les plans. Je vous invite également à avoir ce matin une pensée particulière pour nos militaires qui s'engagent au péril de leur vie, que ce soit sur le territoire national ou sur les théâtres d'opérations extérieures. Une pensée également pour leurs frères d'armes, pour leurs familles auxquelles notre ville a récemment apporté un soutien au nom des Laurentines. Je vous remercie d'être venus à nos côtés pour vous souvenir et rendre hommage à celles et à ceux qui sont morts pour que vive la paix, pour que vive la politique et pour que vive la France. Merci. On va procéder au dépôt de germes. Tout d'abord, il y a deux bouquets que c'est les enfants des écoles qui vont le déposer, puisque honneur à la jeunesse.
Merci. La deuxième de gerbe est déposée par le comité des fêtes de Saint-Laurent. Gerbe déposée par les anciens combattants de Saint-Laurent. Gerbe déposée par la municipalité de Saint-Laurent. Mémoire de tous les morts, de toutes les guerres, et plus particulièrement aujourd'hui, pour ceux de 39-45, je vous demande tous ensemble d'observer une minute de silence à leur mémoire. Voilà, la cérémonie est terminée. Je vous remercie, au nom de tous, de la municipalité, des anciens combattants. Merci de vous être dérangés. Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde quand même. Bonne journée. En avant. Marche.
là. Je suis ravi aujourd'hui, avec la problématique du Covid, qu'on puisse de nouveau refaire cette cérémonie, des cérémonies auxquelles je tiens beaucoup. C'est un devoir de mémoire pour tout le monde. J'ai axé aussi mon discours sur la transmission du devoir vers mes jeunes enfants. N'oublions pas tout ce qui se passe dans le monde, ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. Et surtout, vivons unis, en paix et ensemble. Voilà, merci.